Une vie, une œuvre. Rue de Boeuf, le jongleur désenchanté. Par Claude Métras. Avec Jean Dufournet. Le romancier John Cooper pour Lewis, que vous connaissez peut-être, enfin, romancier anglais disparu voici une vingtaine d'années, disait que quand il allait dans une cité étrangère, la première chose qu'il regardait, c'était les clochards. Et il essayait de voir, à travers ces clochards, à travers ces errants, quelles étaient la relation au fond de la ville avec elle-même. Il me semble que c'est Virginia Woolf qui écrit quelque part, parlant d'une cité qui n'était pas la sienne, qui n'était pas Londres, cette ville aimait à la fois ses pauvres et ses prostituées. Et je crois qu'effectivement, la relation d'un tissu urbain avec ce qui constitue sa marge extrême, ses pauvres, ses vagants, ses errants, donne bien une idée de la physionomie de cette ville. Il m'arrive moi-même, dans une ville de province que je connais mal, ou dans une cité étrangère, particulièrement en Italie, de regarder d'abord cette marge d'hommes ou de femmes qui se trouvent un peu à l'écart de la vie ordinaire et qui reflètent dans leurs traits quelque chose qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est un spectacle qui m'a été très sensible, par exemple, à Dublin, et on pourrait dire que les Irlandais adorent leurs clochards. Nous sommes apparemment loin, Jean Dufournet, en parlant des clochards d'aujourd'hui, de ce Rue de Boeuf que nous allons évoquer aujourd'hui. Mais il me semble pourtant qu'il est partie intégrante d'une vaste famille dont nous pouvons encore trouver ici et là les descendants, les poursuivants. Alors, je ne vais pas me reporter tout de suite à Rue de Boeuf, mais je vais aller deux siècles plus tard jusqu'à François Villon. Pourquoi ? Parce que les éditions Champion ont republié dernièrement le grand livre que Pierre Champion a consacré à François Villon. Le premier livre était paru en 1913. Et à la fin de cette nouvelle édition, magnifique d'ailleurs, en deux volumes, vous avez écrit un texte, une postface. Et dans cette postface, vous vous attachez à la relation particulière d'un écrivain dont nous avons parlé ici même, voici peu, qui est Marcel Schwob. Et avec Marcel Schwob, nous pourrions évoquer une autre figure qui est celle de Rémy de Gourmont. Or, que représentent ces deux tempéraments, ces deux sensibilités nées de la fin du XIXe siècle et du début du XXe ? C'est que l'un et l'autre ont été attirés par ce Moyen-Âge dans ces périodes clés. Pour Marcel Schwob, c'est plutôt à partir du XIVe siècle qu'il s'est attaché à retrouver la densité parisienne, la densité de la vie populaire. Mais le XIVe se nourrit du XIIIe, bien entendu. Et vous m'avez avoué vous-même que, au sortir de vos études, quand vous avez voulu choisir un territoire qui constitue au fond le terrain de prospection, de découverte, qui serait un peu celui de votre vie, vous avez hésité longtemps entre le domaine médiéval, le vaste, tentateur, et puis cette génération très étrange à laquelle appartiennent Rémy de Gourmont et Marcel Schwob, ce qu'on a appelé la fin de siècle, hein, fin de siècle que nous avons redécouverte ces temps-ci, en particulier à travers la collection que Hubert Juin dirige à 10-18 et où sont publiés d'année en année un certain nombre de textes dont on avait un peu perdu l'usage. Et si j'ai parlé de Marcel Schwob et de Rémy de Gourmont, ce n'est pas du tout pour m'éloigner de Rue de Boeuf, c'était pour essayer de saisir, si vous voulez, l'objet même de cette recherche qui est la nôtre aujourd'hui. Rue de Boeuf, et on l'a bien senti de manière un peu inconsciente, indistincte, à travers le succès qui a été fait à la chanson de Léo Ferré, Rue de Boeuf écrit à sa manière un chapitre de l'histoire du cœur humain. Un cœur humain qui est à la fois un cœur plein de désirs, plein de besoins, et un cœur plein de souffrance. Et entre l'exaltation et la souffrance s'écrit au fond notre propre histoire. Alors, si nous voulons, Jean Dufournet, naviguer un peu à travers cette œuvre, qui est d'ailleurs en train d'être republiée tout entière par vos soins aux éditions Honoré Champion, il nous faut évidemment évoquer d'abord le nom, le personnage même de Rue de Boeuf, mais pour le situer dans l'histoire, et plus particulièrement dans l'histoire du Moyen-Âge,
Je voudrais que vous nous donniez d'abord une petite vue d'ensemble de ce XIIIe siècle. Parce que la grande littérature médiévale, celle qui a nourri notre tradition lyrique, notre tradition romanesque, comme l'a bien montré Denis de Rougemont, on pourrait dire qu'elle est née surtout dans la fin du XIIe siècle. Bon, ce XIIe siècle a vu l'épanouissement de la matière de Bretagne, de la littérature courtoise, et Rudebeuf intervient un siècle plus tard. Alors, nous allons voir ce qui s'est passé pendant ce siècle. Je voudrais simplement attirer l'attention de notre auditeur sur un aspect qui peut-être nous permettra de mieux entrer dans l'intimité même de cette époque. Jacques Le Goff, dans son grand livre sur la civilisation de l'Occident médiéval, essayant de repérer ce qu'on pourrait appeler le climat spirituel, le psychisme fondamental de l'homme médiéval, dit qu'il y a un mot qui rend compte, avant tout autre mot, de ce que fut l'homme médiéval, c'est le mot de jubilatio. L'homme médiéval jubile. Mais, et c'est peut-être là qu'est le tournant de l'époque, je ne suis pas sûr que l'homme jubilant du XIIe siècle soit toujours présent, toujours vivant, au moins sous la même forme, à l'époque de Rudebeuf, c'est-à-dire à la fin du XIIIe siècle. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison, parce que au milieu du XIIIe siècle, se produit un changement important. C'est-à-dire qu'à partir de 1250, en gros, on s'interroge sur la société, on s'interroge sur le langage, on s'interroge sur la vie. Et je crois que Rudebeuf, comme Jean Demain, comme Adam de la Halle, sont les témoins de cette interrogation et se substituent à une philosophie de la stabilité de l'être, une philosophie de la métamorphose, de l'instabilité, de l'existence. Et je crois que Jean Demain, dans le roman de La Rose, a reproduit l'ensemble de cette philosophie, ce qui explique qu'il y ait des rapprochements étroits entre Rudebeuf et Jean Demain, Jean Demain qui avait lu Rudebeuf et qui l'a utilisé. Et je crois que les gens de cette seconde moitié du XIIIe siècle en sont à la période des interrogations qui auraient remis en question le rapport du langage avec la réalité. Mais le XIVe siècle, avec ses malheurs, a arrêté cette interrogation qui sera reprise, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, par Villon et sa génération, c'est-à-dire celle de Louis XI. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en cause ici la grande rupture, en tout cas le grand déchirement, qui va affecter, ou qui semble affecter dans sa profondeur, la chrétienté à cette époque-là? Parce que il faut rappeler que dans le début du XIIIe siècle, enfin surtout les années 1230-1240, on vit la montée de l'Inquisition, on vit surtout l'extermination de l'hérésie cathare, et d'autres hérésies seront poursuivies sous d'autres formes. On pourrait rappeler d'ailleurs que l'hérésie cathare a d'abord été poursuivie dans cette Champagne d'où est sorti Rudebeuf, n'est-ce pas ? Il y a le mont Aimé à côté de Chalon-sur-Marne qui porte encore la trace, n'est-ce pas, de cette exécution, de ces bûchers où les cathares champenois furent exterminés. Et on peut se demander dans quelle mesure cette fissure introduite dans l'unité chrétienne, une unité qui n'était peut-être pas aussi absolue qu'il peut y paraître, mais qui existait quand même, n'a pas été une des causes de cet effritement des valeurs représentées, transportées par la matière de Bretagne ou par la littérature courtoise. Je crois que vous avez raison, mais à cette première fissure, qui était une fissure d'ordre religieux, où on extermine les cathares en la personne du parfait. Ensuite, on s'est efforcé d'éliminer un autre personnage inquiétant, qui était le philosophe formé par Aristote. Parce qu'il faut penser que le XIIIe siècle a vu la connaissance de tous les livres d'Aristote, scientifiques, philosophiques, moraux, et qu'il apporte une nouvelle perception du monde, et que des gens qui avaient essayé d'adapter justement l'œuvre d'Aristote, comme Boèce de Dacie, Sigé de Brabant, sont morts en prison, car ils ont représenté vraiment le danger le plus grand pour la chrétienté. Car l'Université de Paris en particulier s'est intéressée à Aristote, à étudier ses textes, et que des auteurs comme Thomas d'Aquin, Albert le Grand, ont essayé de faire la synthèse de l'aristotélisme et du christianisme, sans toujours y parvenir. Et je crois que au moment de Rudebeuf,
vers les années 1270-1277, c'est le danger qui apparaît le plus à la chrétienté et qu'on essaye de dominer par des moyens divers. Alors, voilà un enfant, Rudebeuf, qui va naître quelque part. En Champagne, sans doute. Exactement à quel endroit, et en Champagne précisément. Or, si l'essentiel de sa carrière, de sa vie, semble s'être déroulé à Paris, il est évident que cet aspect champenois, même s'il est mythique un peu comme le personnage lui-même, ne doit pas être passé sous silence parce que l'importance de la Champagne à ce moment-là est grande. Elle était grande. C'est-à-dire que je crois que, comme foyer littéraire, la Champagne cède la place à l'époque de Rudebeuf à un autre foyer important qui était Arras et l'Artois. Mais il y avait tout un passé littéraire, philosophique, venu de Chrétien de Troyes, de Marie de Champagne, qui a sans doute contribué à la formation de Rudebeuf. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a eu de la part de Rudebeuf sans doute un rejet de toute cette tradition. C'est-à-dire qu'il y a une tradition courtoise, que Rudebeuf rejette pour revenir à un idéal antérieur qui serait le premier idéal chevaleresque, l'idéal épique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on arrive entre 1250 et 1270 à une remise en question de la courtoisie, à un refus de ses valeurs au profit de valeurs plus profondes qui se rapprochent des valeurs chrétiennes. Bon, alors on peut supposer, d'après la seule date que nous connaissions, je crois, de la vie de Rudebeuf, c'est celle de son second mariage, c'est-à-dire oui, second 1260. Mariage, oui, 1260, oui, c'est oui. Une date qui sans doute a compté dans sa vie. Mais ce mariage même, est-ce que c'est une réalité? Alors on peut supposer qu'il est né entre 1230 et 1240, vraisemblablement. Probablement, bon. Et est-ce que... un chercheur comme vous qui s'est penché sur les textes, qui les connaît intimement, qui s'est penché sur l'époque aussi, peut, à sa manière, bien entendu, avec tout ce que la comporte de liberté, n'est-ce pas, peut prévoir un peu ce qu'a été la source, la racine vivante de Rudebeuf et de quelle manière un enfant de cette époque-là pouvait grandir parmi les siens et puis acquérir ce qui va lui permettre de devenir un poète. Oui, je crois qu'on peut le reconstituer approximativement sans trop de risque de se tromper. Car Rudebeuf est né sans doute d'un milieu assez pauvre. Il a choisi un sobriquet et ce n'est pas son nom de famille. Son sobriquet indique une existence, une origine humble. D'autre part, il a sans doute fait des études. Il a été à la faculté des arts, où on entrait très jeune à ce moment-là, 13-14 ans, où on faisait les études générales. Il a sans doute commencé des études de clerc, c'est-à-dire des études en latin, où il a appris les arts poétiques latins, la rhétorique latine. Le clerc, ce n'est pas celui qui se destine au droit, non, c'est celui qui se destine à l'Église. Voilà, qui se destinait à l'Église, qui prenait les premiers grades, mais qui ne devenait pas forcément prêtre, qui, justement, pouvait entrer dans l'administration royale ou épiscopale, être au service d'un grand, ou devenir jongleur. Et il y avait beaucoup de clercs déclassés, des goliards, des vagans, qui n'avaient pas trouvé leur place dans la société. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils transmettaient une forme de culture, culture savante, mais aussi culture populaire. Et ces clercs, devenus jongleurs, étaient vraiment au nœud de toute la culture médiévale. Que Dieu, notre Seigneur, qui créa l'air, le feu, la terre et la mer, et qui, parce que nous étions morts, subit la douloureuse morsure de la mort, donne le paradis, si digne d'amour à tous ceux qui écouteront mon propos sans le critiquer. Le Goff dit que les gens à cette époque-là voyageaient beaucoup. C'est certain. Pour une très bonne raison, dit-il, c'est qu'ils n'avaient aucune raison de se plaire chez eux. Par conséquent, ne se plaisant pas chez eux, ils prenaient volontiers la route. Et il y a un territoire qui laisse pressentir les wagons de Bruegel, ou avant les wagons de Bruegel, ceux que décrira un homme comme Hermann Hesse dans Narcisse et Goldmund, c'est-à-dire des gens qui, au fond, prennent la route, c'est puis c'est la route qui les instruit. Voilà.
Ces wagons, ils vont constituer une population extrêmement mêlée, dont on prend difficilement notion aujourd'hui, puisque nous vivons dans une société finalement très structurée, où les catégories sociales, et surtout les catégories sensibles, dirais-je, vivent assez séparées les unes des autres, n'est-ce pas ? Finalement, dans le monde que nous vivons, bien que nous soyons informés de tout, les comédiens ne fréquentent pas tellement les tavernes où vont les gens du peuple, les fabricants, les artisans sont dans leurs ateliers, ne fréquentent pas tellement les bourgeois qui sont dans les banques. Enfin, il y a des communications qui ne s'établissent pas, alors que le Moyen-Âge a été un moment d'extraordinaire fusion des différentes classes sociales. Exactement, fusion à la fois dans les lieux de rencontre et sur les routes. Mais ce qu'il faudrait ajouter pour compléter peut-être le propos de Jacques Le Goff, c'est que ces gens qui circulaient beaucoup, ces errants, étaient en même temps suspects, car la société médiévale a été à la recherche d'une certaine stabilité. Et les jongleurs, les vagans, étaient des gens suspects parce que c'était des gens de la métamorphose, de l'errance, qu'on ne trouvait jamais à la place où on pouvait les attendre. D'où les condamnations de l'Église, car cette métamorphose a quelque chose de diabolique aux yeux des autorités. Et on a prêté aux jongleurs tous les défauts de la terre, buveurs, menteurs, débauchés, lubriques. Et ce qui explique que le nom de jongleur, qui est à l'origine jugleur, qui vient du latin joculateur, se soit transformé en jongleur sous l'influence du mot jongleur, qui veut dire celui qui raconte des histoires, qui ment. Et d'où les anathèmes lancés contre les jongleurs. Par exemple, Jean de Salisbury dire qu'ils n'ont pas à espérer le salut. Et pour d'autres, les jongleurs, ce sont les artisans du diable. Et comme ils se sont moqués de Dieu, Dieu se moquera des rieurs par la suite, au moment du jugement dernier. Qu'est-ce que c'est que Ruth Boeuf ? Je crois que c'est un sobriquet, comme beaucoup d'auteurs du Moyen-Âge ont. Un autre romancier, qui est l'auteur d'un très bon roman, Guillaume de Dôle, s'appelle Jean Renard. Et le mot de renard n'est pas innocent. C'est l'auteur qui se dissimule derrière ses personnages et il nous livre sous forme d'acrostiche son nom à la fin du roman. Un autre, un jongleur qui a écrit un fabliau, s'appelle Boivin. Alors, Ruth Boeuf, c'est sans doute une sorte de sobriquet emblématique et assez difficile à interpréter. Parce que rude évoque l'idée de fruste, c'est-à-dire c'est celui qui s'oppose à la courtoisie, au raffinement courtois. Et celui qui reviendra constamment sur les mêmes thèmes, les mêmes mots, les mêmes plaisanteries. Est-ce qu'il y a dans ce recours au rude un peu la pensée aussi de l'homme sauvage que l'on voit s'affirmer avec tant de force ? C'est celui qui apporte des vérités qui dérangent. C'est l'homme de la forêt. L'homme de la forêt. Et parce qu'il vient de la forêt, il peut dire un certain nombre de vérités. Et c'est l'aspect satirique de Ruth Boeuf qui apparaît ici. Mais le Boeuf, c'est aussi l'animal de la crèche, l'animal de la persévérance, de la bonne volonté. Donc vous voyez déjà cette image assez contradictoire du personnage. Puis je crois Ruth Boeuf, se plaçant d'un point de vue littéraire, nous indique que c'est celui qui a de la peine à écrire à cause des difficultés de la vie familiale. Et on se rappelle tout ce que disait Héloïse Abélard, ne vous mariez pas, vous aurez des problèmes de famille qui vous empêcheront de penser d'écrire. Mais il y a une autre forme du nom de Ruth Boeuf, parce qu'on a Ruth Boeuf qui a décomposé son nom en Ruth de Boeuf, mais une autre forme c'est Ruist Boeuf. Et Ruist veut dire impétueux, violent. Alors, accolé au nom Boeuf, il y a quelque chose de contradictoire dans l'emploi de ces deux mots. Et je crois que c'est un moyen de montrer toutes les contradictions que le poète va assumer entre son « je » actif, triomphant, et son « moi » souffrant. Et je pense que, à force de s'interroger sur son nom, Ruth Boeuf lui avait donné un contenu que nous retrouvons dans l'ensemble de ses poèmes. On dit que fou qui ne folloit perd sa saison. Me suis-je marié sans raison ? Je n'ai cabane ni maison. Encore pire, pour donner plus de réconfort à ceux qui me haïssent à mort, telle femme éprise que nul, hors moi, n'aime et n'estime, elle était pauvre et mal en point quand je la pris. C'était là mariage de riche, car je suis pauvre et mal en point aussi bien qu'elle. Elle n'est ni jante ni belle,
50 ans dans son écuelle, est maigre et sèche. Je n'ai pas peur qu'elle me trompe. Depuis que naquit en la crèche Dieu de Marie, on ne vit telle épouserie. Je suis tout plein de réjouissance, voyez mon œuvre. On dira que bien mal se vait Ruteboeuf qui rudement œuvre. On dira vrai quand je ne pourrai robe avoir. Maintenant ma femme a mis bas, mon cheval s'est brisé la jambe contre une lisse. Ma nourrice veut de l'argent, me poursuit et m'écorche vif pour nourrir l'enfant, sinon chez moi il viendra braire. Le Seigneur Dieu qui le fit naître lui donne à boire, il lui accorde son soutien et me donne soulagement afin que je puisse l'aider. Que la pauvreté ne me nuise et qu'il gagne mieux sa pitance que je ne fais. Si ma folle, je n'en puis mais car je n'ai mesure ni fait en ma maison, ni de bûche pour la saison. Jamais nul ne fut si perdu que je ne suis, car jamais je n'ai eu si peu. Mon hôte veut avoir l'argent de sa maison et j'en ai presque tout ôté. Mes flancs sont nus contre l'hiver. Ces mots me sont durs et divers. Combien en sont changés mes vers auprès d'antan? Pour peu ma folle quand j'y pense. Ne me faut pas tanner en tant, car le réveil me tanne assez quand je m'éveille. Je ne sais si je dors ou veille, ou si je pense. Où irai-je chercher l'argent qui me permettra de survivre? Telle est ma vie. On peut estimer que l'ensemble de l'œuvre de Ruteboeuf, c'est une longue litanie de la misère, et que Ruteboeuf a illustré tous ces aspects de la pauvreté, et je dirais même de la misère au sens de Peggy, qui disait que la misère, c'est la pauvreté sans espoir. Oui, mais alors ce qui est très intéressant, c'est de voir comment naît, comment se développe cette idée de malédiction. Parce que dans une optique chrétienne, il y a au fond le monde de la grâce, n'est-ce pas ? Dieu donne ses bienfaits ou ses malédictions à qui lui plaît. Enfin, et finalement, tout ça se déroule dans l'ombre du péché. Bon, et chacun doit s'interroger, quand il est dans des situations mauvaises, si tout cela n'est pas dû au fait qu'il est précisément un pécheur. Et là, la malédiction prend un autre sens. On pourrait dire qu'elle est, je m'excuse d'employer un mot qui paraît un peu pompeux, mais on dirait que cette malédiction est ontologique, qu'elle appartient au poète lui-même, elle fait partie du rôle du poète. Et je crois que c'est ce qu'a senti Ruteboeuf de plus profond, parce qu'il s'est interrogé sur cette idée de malédiction, de pauvreté. Il l'a attribué tantôt à la fortune, à la mauvaise étoile. Il dit qu'il s'est marié sous une mauvaise étoile. Tantôt, il l'a attribué à l'obstination de Dieu de le châtier d'en faire un second job. Mais il s'est rendu compte que la misère, la pauvreté était la condition nécessaire de l'écriture poétique comme de la découverte des vraies valeurs religieuses. Et je crois que c'est ce côté moderne de Ruteboeuf, c'est cette descente au fond de l'enfer de la misère pour découvrir et la poésie et la religion. Vous êtes bien à l'aise. Les arbres dépouillent leurs branches et vous n'avez aucun habit. Vous en aurez froid à vos hanches. Qu'il vous servirait les pourpoints et les surcots fourrés à manches. Vous allez en été si vif et en hiver si engourdi. Vos souliers n'ont besoin de graisse, vos talons, ce sont vos semelles. Vous ont piqué les noires mouches, maintenant piqueront les blanches. Le dit des ribauds de grève. Le wagon, en général, est considéré comme un personnage mal famé. Et les communautés d'errantes, elles sont caractérisées par le fait que les gens qui n'ont au fond ni feu ni lieu, qui n'ont pas de demeure, les demeurant partout, comme dirait notre ami Jérémec, ces gens-là se retrouvent autour des parties de dés. On dit les parties de dés, mais peut-être à l'époque, il y a-t-il d'autres formes de jeux? Oui, c'était surtout des parties de dés. Et c'était un thème littéraire, vous voyez, que Jean Bedel a déjà exploité dans le jeu de Saint-Nicolas, et qui était lié à la fois à la boisson, à la débauche dans les maisons closes, mais qui joue un rôle important dans l'œuvre de Ruteboeuf. Et le nom de Grièche est intéressant, parce que Grièche, c'est un mot qui est lié à la Grèce.
La Grèce n'apporte plus la chevalerie, comme Chrétien III l'avait dit, elle apporte le jeu, c'est-à-dire la tromperie. Puis, en même temps, le mot grief a subi l'effet du mot grief, qui veut dire tourment, malheur. Et le jeu, c'est à la fois la cause et la conséquence de la misère. Et c'est une sorte de cycle infernal, de cercle infernal, dont Rudebeuf n'arrive pas à sortir, qu'il joue un personnage littéraire ou qu'il l'ait ressenti profondément lui-même. Est-ce qu'on a quelque idée de la manière dont se déroulaient les jeux, ou bien est-ce qu'on peut les considérer comme tout à fait semblables à ce qu'on peut voir aujourd'hui, d'ailleurs dans certains quartiers de Paris, où il y a effectivement des gens, dans certains quartiers d'émigrés, où il y a des, sur la place, comme ça, il y a des gens qui se livrent à des parties de hasard. Oui, eh ben, le mot hasard existait au Moyen-Âge. Il y avait les jeux de hasard, on jouait à la mine. Mais c'est très difficile de retrouver les règles du jeu. Et dans la pièce « Le jeu de Saint-Nicolas » de Jean Bedel, on a de la peine à expliquer certains vers dans la mesure où on ignore le déroulement d'une partie de jeu. C'est... Il est certain qu'on jouait des mises plus ou moins importantes et que des joueurs devaient engager leurs vêtements et leurs maigres biens pour arriver à faire face à leurs obligations. Et c'est ce que Rudebeuf, semble-t-il, a montré d'abord sous la forme personnelle du jeu, puis sous une forme plus objective dans la Grillage d'été, et enfin dans le Dit des ribauds de grève, où on s'aperçoit dans ce poète bien clos sur lui-même que le monde du jeu est un monde qui enferme les malheureux dans leur misère. Et je crois que c'est un des autres thèmes importants liés au jeu, c'est celui d'un monde clos, qui ne s'ouvre pas sur les autres et qui nous empêche d'aller vers les autres. Et où il y a cette obsession de l'esprit que Dostoïevski décrira plus tard dans Le Joueur, n'est-ce pas, mais qui ferme l'acteur, enfin le joueur, à toute autre réalité. Voilà. Et puis, ce que Rudebeuf signale aussi, c'est que le jeu demande une application insensée, qu'on ne met dans aucune autre activité. Et pourquoi ? Pour obtenir quoi ? Un dépouillement total de l'individu. Parmi les errants que Rudebeuf va rencontrer, je pense que l'essentiel de sa carrière s'est probablement déroulé à Paris. Et plus spécialement dans le quartier jouxtant la cathédrale Notre-Dame, enfin tout ce vieux Paris que nous appelons aujourd'hui le Marais, le Louvre, enfin il subsiste encore ici ou là quelques vestiges des anciennes rues médiévales. Et dans cette population vagante, il y a donc ces jongleurs, et ces jongleurs ce sont ou bien des saltimbanques au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire des montreurs d'ours, des montreurs de singes, des gens qui s'amusent avec des animaux. De feu, des... C'est ça, enfin, tout ce qu'on voit encore dans les foires aujourd'hui, exactement. Foire du trône par exemple. Et puis il y a aussi, et c'est là qu'on peut étudier le changement qui s'est produit au cours du XIIIe siècle, des gens dont le métier capital, enfin l'activité essentielle, tourne autour de la musique. Bon. Oui. Alors, dans le XIIe siècle, nous avions les trouvères, c'est-à-dire les gens qui se promenaient de château en château et allaient ainsi offrir leurs dons à des châtelains pour les distraire. Ou bien sur les places publiques. Aussi les places publiques. Et puis, ces trouvères, enfin trouvères dans le nord, troubadours dans le midi, on les voit appelés ménestrels. Comment se fait le passage de trouvère à ménestrel ? Vous avez raison, c'est un problème. Il faut distinguer les termes. Et je crois que, pour simplifier, Rudebeuf est un jongleur qui n'a jamais pu devenir ménestrel. Pourquoi ? Les jongleurs, c'était des gens aux talents très divers. Prestidigitateurs, comme vous l'avez dit, amuseurs publics, mais en même temps, ce sont des gens qui étaient des musiciens, qui jouaient de la vielle. Des gens qui pouvaient écrire ou déclamer des poèmes très différents, des chansons de geste, des fabliaux, des poèmes religieux. Ce sont des gens qui animaient les fêtes dans les châteaux, sur les places publiques, les mariages. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'activités assez importantes, ce qui explique qu'un troubadour du nom de Guiroric, qui avait proposé de distinguer trois espèces, en donnant des noms à chaque espèce. D'abord, les bouffons, qui étaient les amuseurs publics. Ensuite, les jongleurs, qui interprétaient les œuvres d'autrui, musiciens et poètes. Et puis enfin, les trouvères ou troubadours, qui eux, étaient des créateurs. Ceux qui trouvent. Le mot jongleur, c'est celui qui joue.
Ça vient du latin joculator, jogum, qui est un mot important au Moyen-Âge. Jeu, enjeu, a joué un rôle capital dans la vie médiévale. Et tandis que le trouvère, c'est celui qui d'abord invente des figures poétiques, les tropes, puis ensuite écrit des textes. Alors, par la suite, les plus doués de ces jongleurs ont essayé de se distinguer des autres. Ils sont devenus souvent les familiers des princes, les initiateurs aux bonnes manières. Ils vivaient à la cour d'un prince, par exemple, il y en a un qui est connu, qui était à la cour des princes de Montferrat, Rimbaud de Vaqueras. Et d'où vient le mot de ménestrel ? Alors, ménestrel, c'est un mot dérivé de ministerium. C'est celui qui est au service d'un prince, qui l'accompagne, et alors qui est un peu un homme à tout faire, mais en même temps, l'amuseur de la cour, et celui qui l'initiait aux lettres, aux bonnes manières. D'où la volonté de se distinguer des vulgaires jongleurs en s'appelant ménestrel. Mais par la suite, tous les jongleurs, pour se valoriser, se sont appelés ménestrel, en sorte que le mot est devenu à son tour dénigrant et a désigné un personnage de trompeur. Jusqu'au XIVe, XVe siècle, la poésie était toujours accompagnée de musique, ce qui explique que dans un certain nombre de poèmes, les paroles aient une importance secondaire, car la musique tendait à proliférer, à prendre la première place. Et il convient de se rappeler qu'un auteur comme Adam de Lalle, c'est à la fois un grand dramaturge qui a écrit Le jeu de la feuillée, un grand poète lyrique, mais un des plus grands musiciens de son temps. Et qu'arrivé à ce niveau, les poètes, en même temps, perfectionnaient tous les jeux musicaux qui accompagnaient leur poésie. Alors, ces fêtes musicales, elles se situaient au moment des fêtes, bien entendu. Oui. Mais par rapport à ce qui tient un grand rôle à ce moment-là dans la vie de la cité, par rapport aux cérémonies religieuses, ça se passait comment ? Il y avait toute la musique qui accompagnait la liturgie, les fêtes religieuses. Et à côté de cette liturgie, vous aviez un certain nombre de spectacles paraliturgiques, de scènes de comédie qui prenaient place au milieu des spectacles pour détendre justement les auditeurs et les spectateurs. Et la musique, à ce moment-là, à son tour, devenait profane. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir l'imbrication des deux cultures, des deux musiques, la musique religieuse, la musique profane, la culture savante, la culture populaire. Et je crois qu'au XIIIe siècle, c'est le moment où ces deux cultures se rencontrent et se pénètrent profondément, ce qui ne se retrouvera ensuite qu'à la fin du Moyen-Âge et au temps de Rabelais. Oui, parce qu'il y a aussi la liturgie qu'on pourrait qualifier de parodique, c'est-à-dire celle qui s'accomplit autour d'un certain nombre de fêtes qui sont traditionnellement reconnues, où les institutions se tournent elles-mêmes en dérision. On peut penser à la fête de l'âne, à la fête de la fête des fous, le carnaval, où on mettait à l'envers toutes les institutions, toutes les pratiques religieuses, ce qui entraînait un certain nombre d'excès, et ce qui explique qu'au XVe siècle, on est chassé de l'Église toutes ces fêtes qui, à l'origine, avaient lieu dans l'Église même, étaient animées par les clercs, par les prêtres, qui devenaient, pour la circonstance, le prêtre des fous, le prince des fous. Alors, dans cette tradition populaire qui a été très bien étudiée par Claude Guignebé, tout se passe comme si, à la société institutionnalisée, dominée par l'Église et par les princes, se juxtaposait comme en filigrane une autre société dont les poètes, les jongleurs, les ménestrels soient en quelque manière les desservants, une société de la parodie qui s'avancerait masquée comme pour dévoiler à l'être humain l'autre face de lui-même. La face nocturne, l'envers de la réalité qu'il voyait tous les jours. Alors est-ce que Rudebeuf participe de ce nocturne à sa manière? Pour une part, c'est certain, et n'oublions pas qu'il a écrit des fabliaux, et en particulier des dialogues dont l'animateur est un jongleur qui s'appelle Charlot. Et Rudebeuf a décrit cet envers de la société, mais en même temps, il est au service d'autres causes, puisqu'il a été un poète religieux, un poète de la croisade. Et je crois que l'intérêt de Rudebeuf, c'est qu'il est au centre de toutes ses activités, les activités ouvertes et les activités couvertes, l'endroit et l'envers du monde médiéval.
Il a, comme tous les jongleurs de son temps, de temps à autre en tout cas, le pressentiment que le rôle du poète, c'est celui de distraire et, surtout dans une vision parodique du monde, de faire rire. Et en même temps, si on se réfère au poème même de Rudebeuf, c'est finalement un poète qui ne peut pas rire parce que le spectacle qui se offre à lui, le spectacle de sa propre vie d'abord, le spectacle du monde qui se déploie autour de lui ensuite, ne lui offre vraiment pas matière à rire, mais plutôt à pleurer. Alors, il y a dans tout ce Moyen-Âge un dialogue assez étrange entre le rire et le sérieux, quelle est l'histoire du rire qui n'a peut-être jamais été écrite jusqu'à présent. Et tout à l'heure, vous avez parlé, précisément pour les rapprocher des jongleurs ou des ménestrels, des bouffons. Et c'est là qu'on voit peut-être apparaître, sous une forme encore mal équarrie, le personnage du bouffon qui va jouer un si grand rôle dans les cours princières. Oui. Alors en quoi un homme comme Rudebeuf a à voir avec le bouffon ? Si, le personnage du bouffon existait déjà à l'époque de Rudebeuf, parce que les jongleurs se sont en gros montrés sous trois aspects. D'une part, c'est l'homme des bons tours, dont il faut se méfier, car si on lui commet une injustice à son égard, il se vengera. Et qui est bien incarné, par exemple, par un personnage qui s'appelle Boivin, qui est un homme de la métamorphose, qui se présente comme l'homme des bois. Il s'appelle le seigneur de la brousse. Vous voyez, avec le rapprochement de Caen en brousse. Et c'est l'homme qui joue toutes sortes de rôles. Et dont la principale activité est de tromper ceux qui voulaient le tromper, des prostituées, des mauvais garçons. Deuxième aspect qui est encore proche du précédent, c'est le jongleur qui s'efforce d'apitoyer sur sa misère, tantôt par des paroles sérieuses, tristes, tantôt par des bouffonneries. Et c'est au fond l'image que nous donne Rudebeuf dans tous ses poèmes de l'infortune, où l'on passe du rire aux pleurs, de la plaisanterie assez lourde à la plainte. Puis il y a enfin l'image que les jongleurs ont voulu lui donner d'eux-mêmes, c'est-à-dire une qualité supérieure d'intelligence, de culture et de morale. D'où une nouvelle morale ouverte sur le monde, ouverte, une morale de la prodigalité, du luxe, de la richesse, de la finesse. Et je crois que ce sont ces trois images que l'on retrouve tout au long du XIIIe siècle parmi les jongleurs. Et Rudebeuf, c'est un mélange des deux premières images, mais c'est aussi celui qui est en quête de respectabilité. D'où, à certains moments, il met sa plume au service des grandes causes, parce que il y a aussi un aspect de journaliste politique chez Rudebeuf qui vulgarise les arguments des uns et des autres en faveur de la croisade ou contre les moines mendiants. Rudebeuf qui va écrire des poèmes de croisade, qui va être mêlé aux conflits religieux de son époque, est aussi à sa manière un intellectuel, c'est-à-dire qu'il ne passe pas son temps dans la cour des miracles. Exactement. Et aujourd'hui, évidemment, les intellectuels constituent une partie un peu à part, si bien qu'elle communique de plus en plus, mais en fait, elle est un peu définie par rapport à l'ensemble de la société. Tandis que là, dans une société pratiquement illettrée, enfin très démunie en tout cas, les intellectuels sont aussi dans la rue. Il ne faut pas réduire Rudebeuf à son rôle de poète populaire qui parle de la misère humaine. Toute une part de son œuvre a consisté à vulgariser les idées qui étaient débattues par les grands clercs, les théologiens. Et en particulier, Rudebeuf a été fasciné par un personnage qui s'appelait Guillaume de Saint-Amour, qui était un théologien très violent, qui maniait l'invective avec une allégresse féroce. Qui lui animait la montagne Saint-Geneviève. Voilà. Et alors, Rudebeuf a transposé dans ses poèmes contre les moines mendiants la plupart des arguments que Guillaume de Saint-Amour avait développés dans un traité qui s'appelle le De Periculis, c'est-à-dire les périls des temps nouveaux. Parce que le XIIIe a été le siècle des ordres mendiants, qui ont connu un développement considérable, en sorte qu'on y voyait la main de l'Antéchrist. Mais pourquoi est-ce que cette mendicité devient tout à coup la fondement de l'Église? Pas la mendicité, c'est-à-dire c'était une nouvelle mentalité, une nouvelle sensibilité. Justement, les moines mendiants, et en particulier les franciscains et les dominicains, ont apporté une nouvelle manière de vivre sa religion. Et à bien des points de vue, ils représentent le côté moderne
de la religion chrétienne, qui devient enfin populaire au XIIIe siècle. Elle s'introduit dans toutes les classes de la société, et c'est pour ça que les moines mendiants sont redoutés des universitaires, parce qu'ils ont une audience auprès du peuple, des femmes, des princes, qui leur donne une puissance exceptionnelle. Et puis pensez que à la fin du règne de Saint-Louis, les franciscains étaient 30 000. Et les dominicains, 10 000, c'est-à-dire qu'il y avait eu un développement considérable et qu'ils jouaient un rôle important auprès des princes. Saint-Louis les a beaucoup utilisés comme conseillers, comme messagers. Ils ont à peu près colonisé l'Église, le savoir, d'où la réaction de l'université qui peu à peu voyait son champ d'action réduit par ces hommes redoutables dans la mesure où ils changeaient les façons de penser, et de sentir. Et dans la manière aussi dont ils étaient aimés un peu. Oui, c'est ça, parce que l'agressivité d'un homme comme Guillaume Saint-Amour s'explique par le succès des franciscains et des dominicains, qui avaient une vie plus pure, plus pauvre que la plupart des prêtres du temps. Oui, parce que les récriminations contre les gens d'église, dès le XIIe siècle d'ailleurs, sont violentes. Ils sont accusés de vivre dans le luxe, d'entretenir des femmes, de séduire les femmes des autres. Voilà. Enfin, ils ont mauvaise réputation. Et en particulier dans les fabliaux. Oui. Le prêtre, c'est le troisième homme qui rompt l'harmonie des ménages. Et justement, on va retourner toutes ces accusations contre les moines mendiants. On va expliquer leur ascétisme, leur goût de la pauvreté par une volonté de puissance exceptionnelle. Et Rudebeuf écrit des poèmes où il montre justement Paris peu à peu encerclé par les couvents des moines mendiants. Et puis il y a aussi l'idée de la mendicité qui s'oppose à la loi même de la création, qui est celle du travail. Oui, et puis c'est un problème qui était important, qui était au cœur des débats au XIIIe siècle. Parce que, et c'est ce qui est le drame de Rudebeuf, parce que Rudebeuf nous dit à un endroit, c'est un homme qui n'a pas de métier manuel, qui n'est pas ouvrier de ses mains. Parce qu'on s'est interrogé sur le travail et on s'est dit, l'homme doit vivre de son travail intellectuel ou manuel. Or, des gens prétendaient vivre de mendicité. Alors, ça a été le grand débat qui est au cœur du roman de La Rose de Jean Demain. Et Rudebeuf en souffre dans la mesure où il est d'accord avec ses idées. Il faut vivre de son travail. Mais que lui, n'étant pas ouvrier de ses mains, vit des subsides d'autrui. Et les jongleurs voyaient dans les mendiants, dans les moines mendiants, de redoutables concurrents, pour deux raisons. D'une part, ils pompent l'argent, et d'autre part, ces moines mendiants demandaient, pour la réussite de la croisade, plus d'austérité, donc moins de fêtes. Et le roi, maintenant, mangeait à porte fermée, au lieu de manger à porte ouverte pour accueillir les jongleurs. Donc vous voyez, c'est un problème complexe. Rudebeuf est à la fois l'écho des grandes voix des maîtres parisiens qui défendent leurs privilèges, et puis, en même temps, des pauvres jongleurs qui voient peu à peu leur vie devenir plus ténue, plus réduite, et qui sont acculés à la misère par ce souci d'austérité que pratique Saint-Louis, que manifeste Saint-Louis, et que les moines mendiants encouragent. Mais on voit mal comment un jongleur comme Rudebeuf, finalement, fait des causes pour l'université. Parce que c'est un autre aspect. Il était à la fois, il tenait à l'université parce qu'il était clair. C'est-à-dire, c'est un intellectuel. Puis d'autre part, je pense que dans bien des cas, il tirait ses subsides de l'aide de l'université qui payait ses services. Il y a aussi cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. Quand il a écrit ses grands poèmes de la croisade, je crois qu'il est un des derniers à croire à la croisade. Mais en même temps, il est payé par un parti qui est de moins en moins fort, de gens autour de Saint-Louis pour prôner la croisade. Oui, ça paraît d'ailleurs obscur dans sa vie, cette histoire de croisade. Ah non, c'est pas obscur. Je crois qu'à un certain moment, c'est assez important. C'est-à-dire que Rudebeuf, je crois, n'a jamais parlé contre ce qu'il pensait profondément. Oui. Et puis, à un certain moment, qu'on ne sait pas situer exactement avant ou après les poèmes contre les moines mendiants, il a cru à la nécessité de faire son salut dans le monde, par le sacrifice. Et la croisade, c'était la forme nouvelle du martyr. Parce que le gros problème qui s'est posé à l'Église, au début de la chrétienté, il y avait des martyrs, des gens persécutés, des martyrs sanglants. Après, les martyrs avaient tendance à disparaître. Et la croisade offrait une occasion de purification assez extraordinaire. Puis, pensez à quelque chose, la croisade, c'est traverser la mer qui faisait peur, la mer qui est en fait purificatrice.
comme traverser la mer Rouge. Alors il y a toutes ces images qui sont imbriquées. Est-ce que ce n'est pas aussi le rêve d'un homme qui finalement ne bougera pas? C'est possible, ça je le crois aussi. C'est aussi quelqu'un qui est lié à un certain pays qui ne pourra pas aller à la croisade parce qu'il n'y a plus de croisade populaire. Il n'est pas assez riche pour se payer un équipement pour participer aux croisades des seigneurs. Puis il y a aussi un regard du pauvre finalement qu'il est, de l'homme du peuple démuni, et pour l'aristocrate, pour le chevalier qui lui a droit à la gloire. Voilà, et je crois que cet aspect aussi est important, c'est celui qui regarde de l'extérieur sans pouvoir pénétrer dans ce monde-là, la richesse, l'opulence, la finesse, une vie délicate, et ça, Rudebeuf en a été soucieux, l'a envié. Les chevaliers, ils vont en croisade, mais c'est aussi aux chevaliers que vont les femmes. Exactement. Ça. Oui. Et puis, ils ne vont plus en croisade. Rudebeuf nous dit justement, avec l'esprit critique qu'il caractérise, qu'il parle de croisade après boire. Et le lendemain, ils ont tout oublié. Ce sont des rêves qui s'évanouissent avec les fumées de l'alcool. Il me faut vivre et je n'ai rien. Nul ne m'aide, nul ne me bâille, je tousse de froid, de faim, bâille, j'en suis mort et tout malmené. Je suis sans couette et sans lit, né si pauvre jusqu'à sans lys, sire, je ne sais où aller, mes flancs connaissent le paillis, et lit de paille n'est pas lit, et dans mon lit, il n'est que paille. Sire, je vous fais à savoir, je n'ai de quoi avoir du pain. À Paris, parmi tous les biens, il n'en est aucun qui soit mien. J'en vois beaucoup et j'en prends peu. Je me souviens plus de saint Paul que de n'importe quel apôtre. Bien c'est pas terre, non ce qu'est nôtre. Car vie chère m'a tout ôté et si bien vidé ma maison que le credo m'est interdit. Je n'ai que ce que vous voyez. La pauvreté Rudebeuf. Alors on est frappé de voir dans tous les poèmes de Rudebeuf cette absence, pourrait-on dire, de la femme. Enfin, la femme n'est qu'un poids, n'est qu'au fond qu'une part de la malédiction. Oui. Et par rapport au lyrisme exalté du XIIe siècle, on se trouve loin du compte. Oui. Alors on pourrait prendre, si vous voulez, pour être tout à fait précis dans cet itinéraire, un des poèmes les plus célèbres de Rudebeuf, La pauvreté Rudebeuf. Et qu'est-ce que c'est que cette Alors, pauvreté? C'est un très beau poème et je crois que c'est un peu le microcosme de l'œuvre. C'est une demande au prince, c'est une demande de subside au prince, dont on présente les qualités, sa bonté, sa noblesse, sa puissance, qui lui permettent d'être généreux envers les pauvres. Parce que seul un peu d'argent permettra à Rudebeuf d'écrire. Rudebeuf, voilà. Mais en échange de ces subsides, Rudebeuf offre sa poésie. Et la poésie innocente la demande d'argent. Et ce poème est intéressant dans la mesure où il reprend toute la litanie de la pauvreté. Comment un homme s'enfonce dans la pauvreté, en expérimente tous les aspects. La pauvreté, c'est d'abord l'éloignement des autres, c'est-à-dire des protecteurs. Puis, c'est la misère, parce qu'on a une famille, que la vie devient chère. C'est la maladie, la souffrance. Mais ça va encore beaucoup plus loin, parce que la pauvreté vous amène à vous interroger sur la religion. Et dans ce poème, vous avez une formule à la fin, le credo m'est interdit. Le credo m'est refusé. Il y a un jeu de mots. Et souvent, Rudebeuf nous fait passer les vérités les plus profondes sous la forme d'un jeu de mots. Le credo m'est refusé, ça veut dire, on ne lui fait pas crédit, le credo. Mais en même temps, sa pauvreté lui interdit de croire aux vérités essentielles de la religion. C'est-à-dire qu'il y a une remise en question de la religion parce qu'il fait l'expérience de la dureté de Dieu, d'un Dieu impitoyable. Et alors c'est cette descente en enfer que décrit cette pauvreté Rudebeuf. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on découvre en même temps que le côté négatif l'emporte de plus en plus. Mais dans la troisième strophe, où le côté négatif semble emporter de plus en plus, c'est là qu'éclate la poésie telle que les gens du Moyen-Âge
l'éprouvait avec cette belle image de la paille, tout de la paille qui éclate, de l'or de la paille. La poésie se découvre au fond de l'abîme de la pauvreté, de la misère. Et je crois que c'est la découverte qu'a fait Rudebeuf et qu'il a ressenti profondément dans sa vie. Et tout à l'heure, vous parliez d'un monde sans amour. Un autre jeu de mots le montre bien. Le verbe aimer en ancien français, c'était amer, A-M-E-R. Et Rudebeuf le remplace par un mot homonyme, amer. Dans le monde, il n'y a plus d'amour, il n'y a que de l'amertume, du fiel. Il y a deux formes de solitude. Il y a une solitude temporaire, provisoire, celle du chevalier errant, qui, pour se ressourcer aux forces vives de la nature, doit y aller seul. Il doit affronter seul la merveille. Et puis, il y a la solitude qu'a illustré Rudebeuf, et dont Rudebeuf a pressenti l'importance poétique. C'est la solitude du pauvre, enfermé dans l'isolement, séparé des autres, même s'il vit au milieu d'une communauté. Et à un certain moment, Rudebeuf nous dit « Au milieu des riches, je suis seul à Paris. » Hélas, hélas, Dieu roi de gloire, pas un instant je ne vous ai oublié, j'ai tout donné, tout distribué, j'ai tout offert aux pauvres. Il ne m'est pas resté de quoi m'acheter une chemise. Alors l'évêque m'a dit échec et mat, et il m'a fait quitter la partie. Il m'a abandonné tout seul, sans argent. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mourir de faim ou à échanger mes vêtements contre un morceau de pain. Et les gens de ma maison, que deviendront-ils ? Je ne sais si Dieu les nourrira. Dieu, ah oui, il s'en moque bien, ses affaires l'appellent ailleurs. Ou bien alors il me fait la sourde oreille et ne prête aucune attention à mon bavardage. Mais moi, je vais lui faire la nique. Honte à qui se loue de son aide. Pour avoir de l'argent, il ne faut reculer devant rien. Je ne crains ni Dieu ni ses menaces. Vais-je aller me noyer, me pendre ? Je ne peux pas m'attaquer à Dieu lui-même puisqu'on ne peut pas l'approcher. Ah, celui qui pourrait lui mettre la main au collet et lui administrer à titre de récompense une bonne raclée pourrait bien se dire qu'il n'a pas perdu sa journée. Mais il est allé se nicher si haut pour éviter ses ennemis. Il s'est mis hors d'atteinte des pierres et des flèches. Si je pouvais lui dire deux mots et le provoquer au combat, je lui tannerais le cuir. Mais il est là-haut, bien tranquille. Et moi, pauvre malheureux, je croupis dans ma pauvreté et ma misère. Pour moi, maintenant, les jeux sont faits. On va dire que je radote et je vais devenir la risée des gens. Je n'oserais regarder personne en face et je ne pourrais plus m'asseoir en public sans qu'on me montre du doigt. Je ne sais vraiment plus que faire. Ah, c'est un fameux tour que Dieu m'a joué là. Et quoi, qu'avez-vous, Théophile ? Par le grand Dieu du ciel, quelle contrariété vous a plongé dans une telle douleur, vous d'ordinaire si joyeux ? On m'appelait seigneur et maître de ce pays, tu le sais bien. Et maintenant, on ne me laisse plus rien. Ma douleur, Salatin, est d'autant plus grande que jamais je n'ai cessé de prier en français comme en latin celui qui maintenant s'acharne sur moi et qui m'a conduit à un tel dénuement. Que désormais, je n'ai plus rien qui m'appartienne en ce monde. Mais je suis bien décidé à ne reculer devant rien. Pas plus la violence que la fourberie. Pour retrouver ma charge, sa perte m'a ruiné et me couvre de honte. Que voilà, beau sire, de sages paroles. Celui qui a vécu dans la richesse est en grande douleur et en grande détresse quand il vient à dépendre des autres pour se procurer le boire et le manger. Combien de dures paroles lui faut-il entendre ? C'est bien là ce qui m'accable. Salatin, mon très cher ami, me voir tomber sous la dépendance des autres est pour moi un vrai crève-cœur. Je comprends parfaitement combien cela doit vous peser et en quelle pénible situation cela vous met. Pour un homme de votre valeur, c'est un bien grand malheur et cela doit vous donner à penser. Eh oui, Salatin, mon frère. Nous en sommes là. Et si tu pouvais connaître un moyen, pour moi, de recouvrer ma charge, mon pouvoir et ma grâce, je suis prêt à tout pour le mettre en œuvre. Consentiriez-vous à renier Dieu, ce Dieu que vous priez depuis si longtemps et tous ses saints et toutes ses saintes ? Vous n'auriez plus dès lors qu'à faire main jointe, à serment d'allégeance à celui qui serait capable de vous faire retrouver votre charge, et vous seriez plus comblé d'honneur que jamais vous ne le fûtes, si, du moins, vous restez fidèlement à son service. Croyez-moi, laissez là votre maître. Oui,
Voilà tout à fait ce que je veux. Parle, je ferai tout ce que tu voudras et sans attendre. Partez en toute tranquillité. Cela ne sera certainement pas du goût de vos ennemis, mais je vous ferai retrouver votre charge. Revenez demain matin. Volontiers, Salatin. Mon frère, que te garde le Dieu auquel tu crois et que tu adores, si tu te tiens ferme en cette intention. Alors, pour se sauver de cette solitude, pour se délivrer de cette misère, va apparaître chez Rudebeuf une tentation qui est ce qu'on pourrait appeler la tentation faustienne. Au fond, elle nous ramènerait à la sorcière telle qu'elle sera évoquée plus tard par Michelet, puisque le vrai Dieu, celui qu'on dit fondateur de la lumière, est absent. Et lointain, il ne se préoccupe pas. Alors, il faut se retourner vers l'autre face du monde inconnu, c'est-à-dire vers Satan, et chercher du côté du diable une rédemption à cette misère accablante. Et c'est ainsi que naît le miracle de Théophile, qui va mettre en scène, précisément, ce désir de vendre son âme, et la rédemption qui s'ensuivra. Voilà. Peut-être d'ailleurs que c'est pour cette rédemption et la description de cette rédemption que la pièce, que le miracle fut écrit. Mmh. Alors, bien entendu, ça amène toutes sortes d'interrogations, parce que je me suis aperçu qu'au fond, il fallait que cette âme, c'est peut-être le problème que s'est posé Rudebeuf, comme chacun d'entre nous, il faut que l'âme en vaille la peine, enfin, parce que Satan, c'est pas un imbécile. Mmh. Il va pas acheter n'importe quelle âme à n'importe quel prix. Alors, il faut avoir quelque chose à vendre. Mmh. Alors, comment ça se pose, le problème du miracle de Théophile? Le miracle de Théophile, c'est aussi une des pièces importantes du dossier Rudebeuf et une pièce difficile à interpréter, parce qu'on peut y voir une sorte de résumé de l'itinéraire de Rudebeuf, ses tentations, ses défaillances, son salut. Bon. Ou bien... Il y a un homme qui est dans la misère et puis il appelle Satan, puis il dit au fond, tu pourrais bien venir à mon secours. Ou bien on peut y voir ce qu'il avait souhaité à un certain moment, mais il n'a pas osé franchir le pas. Ou bien un cas limite, bien pire que son propre cas, et qui a valu quand même à Théophile le salut grâce à la Vierge. Mmh. Et c'est pour cette raison-là que je crois que le miracle de Théophile joue un rôle important. Rudebeuf a pris cette vieille légende du VIe siècle qu'il a adaptée à son propre cas, et on retrouve dans ce miracle tous les grands thèmes de l'œuvre de Rudebeuf, dans un monde où la guerre sévit, où Dieu est lointain, un monde qui s'obscurcit. Mais ce diable est quand même un tout petit peu incroyable. Enfin, je veux dire qu'il est, à beaucoup d'égards, assez proche de ce bon petit diable qui sévit dans les contes populaires. Et puis, qui est un diable qui est à la merci du juif, mi-juif, mi-sarrasin, le nommé Salatin, qui obéit justement à ses injonctions. C'est des demi-diables, quoi. Voilà, c'est des demi-diables. C'est un monde incertain, comme les gens de cette époque le pensaient. C'est-à-dire, c'est un monde difficile à saisir. Alors qu'on essaye d'apprivoiser en lui donnant des couleurs monstrueuses, un peu ridicules. Et ce diable, à la merci de Salatin, au fond, n'est pas tellement redoutable. Et la Vierge en viendra facilement à bout. Ô Reine belle et sainte, Vierge glorieuse, Dame pleine de grâce, par qui tout bien renaît, qui vous appelle à l'aide et sauvée de sa peine, qui vous donne son cœur au royaume éternel, retrouvera la joie. Fontaine jaillissante et délectable et pure, rends mon âme à ton Fils. Je me suis mis jadis à votre doux service, mais j'ai tôt succombé. Par celui qui attise le mal et le bien brise, je suis ensorcelée. Désensorcelez-moi, car votre volonté est bonne et généreuse, ou je serai plongée par le verdict de Dieu au tréfonds du malheur. Dame Sainte Marie, prends et change mon cœur, mets-le à ton service, où jamais n'aura faim ni baume ma douleur, serve sera mon âme. Ce sera dure épreuve, si avant mon trépas ne peut s'unir à vous l'âme qui le désire. On ne peut pas évoquer cette figure de la Vierge sans évoquer d'abord cette misogynie fondamentale dont toute l'œuvre de Rudebeuf est remplie, pas parce que il y a l'histoire de ce mauvais mariage, il y a l'histoire de cette femme, bon, dont on ne sait rien, bien entendu, mais dont on voit qu'elle a accentué
la misère de Rudebeuf, ou bien c'est elle qui a fait naître et précipiter cette misère, et d'autre part, rien ne laisse imaginer que auprès de cette femme ou auprès d'autres femmes, Rudebeuf ait connu des joies charnelles dont le Moyen-Âge aime assez souvent à dépeindre les fastes et les éclats. Il n'y a rien qui éveille, au fond, une sensualité vigoureuse, il n'y a rien qui laisse transparaître un émoi d'essence. Mais il y a la Vierge. Et alors, c'est le repli sur une femme qui bien entendu, n'est pas de ce monde, mais qui, en même temps, est bien autre chose que la Mère de Dieu. C'est, au fond, une sorte de Sophia éternelle, un visage de... Puis c'est le recours suprême. Et là, il faut retrouver l'influence de Saint Bernard. C'est Saint Bernard qui a fait passer dans la mentalité des gens du Moyen-Âge, le culte de la Vierge. La Vierge qui est à la fois la reine, la mère, la Vierge, mais qui est aussi la médiatrice, celle qui permet aux hommes, justement, de faire leur salut, qui sert d'intermédiaire entre les hommes et le Christ. Parce que le Christ, même s'il est le Rédempteur, même s'il est mort sur la croix, c'est le Christ du jugement dernier, qui, au dernier moment, montrera aux hommes les plaies de ses mains et les jugera. Donc l'homme a peur du Christ. Et c'est la Vierge qui intervient, qui joue un rôle important par son intercession, sa médiation, ses interventions constantes pour sauver les âmes des mains du diable et pour plaider la cause des coupables auprès de Dieu, et qui réussit même dans les cas les plus dramatiques. Et Rudebeuf a écrit deux vies particulières. La vie d'une part de Sainte Marie l'Égyptienne, la prostituée que la Vierge a incliné au repentir, et Théophile, dont elle a sauvé l'âme, bien qu'il se soit vendu au diable. Je crois que la Vierge a été le dernier recours et le grand recours des gens du XIIIe siècle. Et après avoir essayé la fortune qui, tournant sa roue, vous amènera le bonheur tôt ou tard, après avoir essayé Dieu qui ne répond pas, la Vierge seule est présente auprès des hommes. Il me faut laisser là la rime, car je me dois bien étonner de l'avoir tenue si longtemps. Bien me doit le cœur larmoyé de n'avoir pas su m'employer à servir Dieu parfaitement. J'ai plutôt mis entendement en jeu et en ébattement, sans daigner même dire un psaume. Si pour moi n'est au jugement celle en qui Dieu reçut asile, j'ai conclu bien mauvais marché. Je serai tard au repentir, car il ne sut jamais sentir, mon fol cœur, ce qu'est repentance, ni à bien faire consentir. Comment oserais-je parler, quand même le juste doit craindre? J'ai toujours engraissé ma panse de l'avoir et du bien d'autrui. Bon clerc qui sait le mieux mentir, que puis-je à part la mort attendre? La mort ne laisse dur ou tendre pour bien qu'on lui donne à plein bord. Et quand le corps est mis en cendre, il convient à Dieu raison rendre de tout ce qu'il fit jusqu'à mort. Or j'ai tant fait que je ne puis, il me faut demeurer tranquille. Plaise à Dieu qu'il ne soit trop tard. Tous les jours j'ai accru mon fait, et chacun dit, clair ou laïque, plus le feu couve, plus il arde. J'ai pensé abuser renard. Or, ni val, engin, ni art, il est paisible en son palais. Tandis que ce siècle s'achève, il me faut aller autre part. Je le laisse à qui le désire. La mort, Rudebeuf. On pourrait maintenant, Jean Dufournet, s'interroger sur l'actualité de Rudebeuf. La paternité de Rudebeuf vient peut-être du fait qu'il a senti que l'expérience privilégiée de la pauvreté lui permettait de découvrir des domaines inconnus. Et il a un vers qui est particulièrement révélateur. Il nous dit « Pour la pauvreté qui m'accable, moult me sont changés l'hiver ». C'est-à-dire que sa façon de penser, d'écrire la poésie, a été transformée par cette expérience privilégiée. Et je crois que Rudebeuf,
a fait passer dans sa poésie toute la culture de son temps, même si elle n'apparaît pas ouvertement comme une poésie érudite. Il a utilisé tous les procédés littéraires de l'époque, toutes les recettes des arts poétiques. Et c'est à la fois ce côté très savant de la poésie de Rudebeuf et en même temps proche de nous par le caractère essentiel de ce qu'il a à nous dire sur la pauvreté, sur l'homme, sur le manque d'amour dans le monde, sur les recours possibles que l'homme peut rechercher. Rudebeuf, le jongleur désenchanté, par Claude Métra, avec Jean Dufournet, professeur à la Sorbonne, Paris 4, qui a édité Poèmes de l'infortune et Poèmes de la croisade, Le miracle de Théophile, aux éditions Champion, Poèmes de l'infortune, aux éditions Gallimard, Autour de Maître Patelin, aux éditions Champion. On peut consulter également Les Jongleurs d'Edmond Farral aux éditions Champion. Texte lu par Dominique Ardenne, Jacques Cerisier, Pierre Marteau. Mixage, Daniel Bizien, Cyril Bécu. Réalisation, Isabelle Huel.